Coucou tout le monde, c'est Yumi, j'espère que vous vous portez bien. Je voulais juste revenir sur les quelques jours précédents avant de commencer cette vidéo sur en même temps ce superbe fan art de Jeanne, donc merci à elle. Ces 3 derniers jours, j'ai pas pu sortir de vidéo et en fait, c'est pas que je n'ai pas voulu, je vous ai filmé pas mal de trucs, mais je voulais changer un petit peu des quêtes, du coup j'ai essayé de faire pas mal de choses différentes et ça a pas marché, c'est-à-dire que les vidéos me plaisaient pas. Et ça allait pas dans le bon sens, quoi. Du coup, j'étais assez démoralisé parce qu'en fait, au final, j'ai tourné pendant 12 heures de vidéo. Et sur 12 heures de vidéo, en fait, je vous ai rien filmé. Et c'est vrai que j'essaye de vous sortir des vidéos quasiment journalières. Comme ça, c'est assez régulier et c'est cool. Et là, j'étais vraiment très triste parce que. Enfin, j'étais vraiment très démoralisé. Parce que je me suis dit, ça veut pas, le jeu veut pas. Moi, j'étais vachement fatigué. À un moment, je faisais n'importe quoi sur des matchs. Donc, j'étais assez démoralisé. Donc, j'ai coupé un peu. J'ai un petit peu arrêté. J'ai fait un petit peu la fête. Et je suis mis un petit peu à bosser et faire autre chose à côté. Et du coup, là, ce soir, je me suis remis dedans. Et ça m'a pas mal remotivé. Donc, vous allez voir, le combat était vraiment sympa. Voilà, parce que je me suis quand même pas mal entraîné avant avec. Et donc oui, bon, dans tous les cas, j'ai passé un bon moment, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, ça fait plaisir. Et je vous propose aussi du coup de faire un petit live ce soir. Donc vraiment un petit truc avec toujours les trois persos, donc en Coliseum. Et de faire un live assez sympathique, voilà, vraiment tranquille. Et du coup, voilà, je vous dis à ce soir si vous en avez envie. Et puis on se retrouve vers 19h30, 20h, un truc comme ça sur le live. Donc voilà, portez-vous bien, puis bon visionnage à vous. Bonjour à toutes et à tous, c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver. C'est parti du coup pour un petit combat de colis avec les trois guerriers. Pas mal de choses à vous dire, les amis. Du coup, on va taper. Oula. On va taper, poser une bombe, et on va se caler ici. Tac. Je dégage hein, le stram au maximum, voilà, comme ça. Comme ça, il fait rien pour l'instant. Et le sacré aura pas le temps de se booster. Donc ça, c'est cool. On est contre un stram, un Hélio et un sacré. L'Hélio 138 avec 83 de tac, donc full air. Avec 2800 de vitesse, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal pour le level 138. Le sacré 4500 de vie, je vais commencer à le tabasser quand même. J'hésite à aller sur lui direct en fait, mais je pense que. Oui, c'est pas une mauvaise chose. Donc vous le savez, le panda, du coup j'ai un petit peu changé le mode. J'ai moins mis de puissance et j'ai plus mis de la terre, donc j'ai un truc du style 850 de force, un truc comme ça. Donc c'est un peu mieux, voilà, ça tape un peu mieux hein. Avec les d'attaque, avec les lios, on peut placer les portails et taper, c'est vraiment très sympa. Mais je préfère quand même la synergie roublard panda que roublard hélio. Dans la mienne compo, vu que le roublard est au-dessus en termes de rocks que le panda. Vu que l'hélio en fait, soit en fait on met l'ini de, enfin avec l'hélio qui est devant, du coup on fait hélio panda roublard et dans ce cas-là c'est l'hélio en fait qui gère au niveau des dégâts. Soit, enfin le panda qui gère au niveau des dégâts, c'est-à-dire que comme l'hélio joue avant, il place ses portails, le panda porte jet dedans et d'attaque. Donc je suis monté jusqu'à 1100, je crois, un truc comme ça. C'est le maximum que j'ai fait. Et l'autre possibilité, c'est tout simplement. Alors attendez, par contre là, je vais essayer peut-être de le taper en fait. Ça pourrait être pas mal, franchement, pour l'instant. Je sais pas si. Ouais, bon, de toute façon, c'est pas grave, j'ai pas vraiment le choix, mais. Je vais pas fermer parce que. J'ai pas besoin de fermer les portails, moi. J'aime pas forcément les fermer tout le temps avec les persos que j'ai, la composition que j'ai. C'est pas forcément gênant de les laisser ouvert. Ok, d'accord, très bien. Est-ce que j'ai cale de l'héros? Il y a même. Enfin, si, il y a les lios qui sont quand même. Il y a les lios qui sont. J'ai rien dit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va caler directement ça. On va faire ceci.
Hop là. Voilà, ok. Et du coup aussi je voulais vous dire les amis que j'ai fait pas mal de tests du coup dans l'ordre d'initiative. Et globalement je préfère le roublard qui est devant parce que la force de frappe du roublard est supérieure à celle du panda, même avec les attaques, etc. Même si le panda est très très bien en termes de dégâts et tout, c'est vraiment cool. Mais globalement voilà je préfère. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, ça me va ça, c'est pas trop mal. C'est dommage. De toute façon. Je me débuffe pas parce que j'ai toujours le kaboom, mais si jamais il y a besoin. À qui je pourrais donner des PM? Parce que la roue est vraiment utile au niveau des PM. Allez, l'hélio, si jamais il y a besoin, au moins il sera là. Et lui, on va le mettre ici. J'ai plus assez de PM. Oh, de PA, pardon. J'aurais bien aimé le mettre dedans. Il va taper la roue, sérieusement, avec les résistances? C'est mieux de taper l'hélio, je pense, hein. Donc on a dit qu'il était ici, c'est ça? Ça fait... Il est là, 1, 2, 1, 2. Je pourrais aller aussi le démonter, hein. Moi je vais le démonter, c'est un peu mieux. Je vais le démonter. Franchement, je ferme pas, je m'en fiche. Quoique. Non, je ferme pas. Je peux, en plus, je peux amener les bombes vers lui. Il est en dessous de la pupu, notre ami. Il a pris vraiment très cher. Hein. Il a pris vraiment très très cher. Oh! Sérieusement? Il veut vraiment continuer à taper, mais en fait, je le tue là. J'hésite à DS, j'hésite, franchement j'hésite à DS. J'hésite à DS, j'hésite à DS. Je sais pas si c'est une bonne idée. Est-ce que je lui enlève? Est-ce que je lui enlève? Parce que si je DS. Oh oui, merci mec. Franchement j'hésite à DS. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de DS. Je vais juste péter. Ouais, pète ça, ça tue largement. Bon, je sais qu'il est là. Du coup, on va plutôt se barrer là. Ah merde, j'ai pas réussi à faire le deuxième. Je sais qu'il est ici, notre ami. Il va essayer de tomber, mais bon, je doute qu'il puisse. Silence. Silence sur qui? Il a poussé le panda alors dedans? Avec l'hélio. Il a combien? 84, ouais. Il va faire ça. Il va pousser dedans. Ok. Je peux toujours le faire. C'est bien ça. Qui a pris le silence? Donc ouais, forcément. Tac. On va se stab direct. Alors, où est-ce qu'il pourrait être notre ami? Non. Je vais le porter vite parce que sinon. Après, je vais pas avoir le temps de finir mon tour. Bon, je tente des cases, hein. C'est pas vraiment gênant. Alors, est-ce que je pourrais faire un truc sympa avec ces portails? Ouf, ça fait mal ça. Non, par contre, ça fait vraiment très mal.
Est-ce qu'il va le fermer? Pourquoi il... Ok, très bien. Bah laisse ouvert mon gars. Sinon non, j'aurais pas l'APO en fait. Si? Oh mais c'est dégueulasse! Ah! Vous voyez le bug des portails, bordel! Oh là là là, quand il y a deux portails qui sont placés, mais ça augmente pas les dégâts alors que ça devrait. Vous voyez la prévisu là? À combien elle est? Je sais, normalement ça doit pas taper 1000, mais genre, y a vraiment un problème quoi. Voilà, ça réduit quoi, ça réduit les dommages quoi, c'est n'importe quoi! Enfin, ça réduit pas, mais genre, c'est zéro quoi. Sur du 10%, jamais je tape ça quoi, faut respecter un peu quand même. Bon, du coup, est-ce que je vais descendre? Ça, la vraie question. Ah ouais, d'accord, ok, je comprends. Est-ce que je l'ai d'ici? Ah, dommage. J'ai rien besoin de faire. Alors, est-ce que notre ami SRAM va rusher? Parce que moi, ça m'arrangerait bien. Ça m'arrangerait bien. Comme ça, je décale. Ah là 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 là, les bugs de... Mais c'est vraiment n'importe quoi. Ah, par contre, lui, il peut taper, lui, y a pas de souci. Mouais, mouais, mouais. Bon, de toute façon, il le tuera pas. Il le tuera pas, l'Hélio. Alors. Et voilà, je vais jamais taper. Bon, là, voilà. Là, c'est bon. Mais dans les portails ennemis, c'est bugué. Et moi, je préfère me prendre les dégâts. Moi, je vais me mettre là, je vais rester là. Quoi que non. Non, en fait, c'est mieux que si l'Hélios le prend, de toute façon. Comme ça, il pourra taper et le finir. Parce que l'Hélio finira pas. Quoique je dis ça. Non, non. Ah, quoique 12%. Il tape le panda, vraiment? Sur du 32%, d'accord. Bon, j'espère honnêtement que je le finis. Du 14%, c'est pas sûr. Franchement, je suis pas sûr. Je suis pas sûr de le finir. Je suis pas sûr de le finir parce que je suis pas full agi. Hein. J'ai quand même pas mal de puissance, mais... Non, je ferai jamais 800. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Peut-être un crit, mais... ça passera pas. Façon, faut bien que je m'éloigne des portails. Lui, je le finis sans problème. Alors. On va se mettre ici. Tac, le panda. Alors. Tac. Tac. Voilà. Hop là. Un petit peu de heal. Notre ami Tonneau nous fera pas de mal. C'est du petit heal, mais ne jamais négliger le petit heal. Alors, où est-ce qu'ils sont les portails 1 et 2? Ils sont là-bas. De toute façon, on va y aller, hein. On a des trois persos qui jouent l'un après l'autre. On peut faire un truc. On peut faire un truc. Parce que là maintenant, le panda, il peut faire un truc sympa. Il va se barrer, je pense, de toute façon. Il a rien d'autre à faire. Oh, quoique. Quoique, quoique.
Pardon, ouais, pardon, j'ai oublié deux heal avant. Oh mince! Oh putain! Je voulais encore me décaler. Du coup, normalement là, ça passe. Genre. Aspirateur. Voilà. Voilà. Bon. À combien je vais taper? C'est ça la vraie question. Tac. Ça marque 1600, mais c'est pas du tout 1600. Du coup, GG. Ah, ça fait du bien un combat. Ah là là là. Et attention, la fin. Voilà, vous voyez, là, enfin, les deux ensemble, ça marche très bien, quoi. Ça marche plutôt très bien, Helio Panda. Mais je préfère quand même Roublard plus Panda, parce que le Panda peut placer les joueurs dans les bombes, et ça fait quand même quelque chose de très sympa. Bon, voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée à toutes et à tous, et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous aime, bye bye!